C'est la fête dans un petit village de Mexico. Toutes les souris sont en train de passer un excellent moment. Los gatos banditos sont arrivés. Et les ont toutes kidnappées. Et les amis, nous allons nous éclater. Seulement, il ne savait pas que Slowpoke Rodriguez s'était échappé. Il n'y a qu'une chose à faire. J'enverrai la plus rapide des souris de tout le Mexico. Speedy Gonzales! Qu'est-ce qui se passe, Slowpoke? Señor Speedy, les Gatos Banditos ont kidnappé toutes les souris. N'aie pas peur, amigo. Moi, Speedy Gonzales, je trouverai tes amis et les libérerai. Arriba, arriba! Avec le petit cri du vide qui va bien. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah là là, ça me rappelle vraiment hein. Toute mon enfance, tout ça avec une émission qui s'appelait Ça Cartoon le dimanche soir précisément. Je sais plus comment s'appelle le présentateur. Je vous mettrai sûrement une petite image. J'ai parfaitement son visage en tête pourtant. C'était une émission voilà qui passait le dimanche soir et qui annonçait la fin du week-end justement. C'était un petit peu triste, hein. C'était un petit peu mélancolique. On reprenait l'école le lendemain, donc le lundi. Donc salut à tous, c'est Bart et aujourd'hui. Attendez, parce que là ils m'ont relancé le générique à Clem, oui on sait, avec Speedy qui passe. Oui, Warner Bros, tout ça. Et là je rappuie parce que ça me saoule. Voilà, je pensais pas que ça allait le lancer aussi rapidement. Si tu pouvais me remettre l'écran titre, s'il te plaît, je n'ai pas que ça à faire de passer mon temps. Oui, voilà, on a compris. Avec un accent absolument merdique, mais c'est pas grave. Donc je vous présente aujourd'hui Speedy Gonzales y Los Gatos Banditos, qui sont une sorte de bandit, un souris dirigé par Gros Minet. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit tour dans les options. Contrôle type A, musique test, on va laisser comme ça. Voilà, je vous laisse ça. Attendez, je me casse. Je vous laisserai écouter les musiques en jeu, tout simplement. Et on va commencer. Écoutez, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, contrairement à la majorité de ceux que je vous teste. Ça, c'est un petit peu une découverte, mais je l'ai quand même un petit peu rodé, donc je peux vous en parler. Et c'est un jeu que je connaissais pas à l'époque. Voilà, il y a plein de jeux à licence que je ne connaissais pas, donc Sleepy Rock, écoutez un peu la musique. La petite musique de la map qui est pas géniale. Sleepy Rock, c'est le premier monde, donc le rocher dormant. Alors, Speedy, you must rescue 8 mice. Donc en fait, on doit sauver 8 souris. Mais on n'est pas obligé de sauver les 8 pour finir le stage. Vous allez voir tout de suite. On peut finir le stage en sauvant, je sais pas, quelques souris. Voire, je sais pas si on peut le faire sans sauver aucune souris. Je crois pas. Écoutez la zik, encore une fois. Et là, si vous regardez bien, parce qu'on peut se diriger vers le bas, vous voyez qu'il y a une cage. En fait, c'est une souris qui est emprisonnée. Les souris sont emprisonnées dans des cages. Et il faut tout simplement venir à leur rescousse. Donc là, il y a un petit effet assez sympa avec le pont, écoutez. Un petit effet de bois qui est pas très bien fait avec les petites planches de bois du ponton qui s'abaisse. C'est sympa, bon, sans plus. Donc là, on peut sauter. Si on appuie légèrement sur B, on fait un petit saut. Si on appuie plus longtemps, on fait un plus grand saut, mais il saute pas très très haut. En fait, sa particularité, Speedy Gonzales, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un personnage qui va très très vite, hein, qui fonce. Donc là, il n'y a pas beaucoup de distance, mais on peut quand même aller très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des coups de pierre, regardez, hop, écoutez ça, avec un petit bruitage, bon, qui n'est pas super bien fait. Et on freine, en fait, quand on va dans la direction inverse, on freine. Donc là on peut récolter je sais pas, c'est du fromage je crois, c'est des espèces de petits trucs de gruyère. Donc là il faut aller sur la gauche, je vais me dépêcher parce qu'il y a un timer. Donc là il y a des trappes à souris en fait pour rebondir, ça fait un peu office de bumper à la Sonic. Et je crois là que je vais me faire niquer par le timer parce que j'aurais pas dû traîner en fait. La première fois que j'ai fait le jeu, j'ai trop traîné et je me suis fait niquer tout simplement.
Donc là, je vais essayer de sauter. Voilà, pour choper un cœur. Et là, si je me dépêche avec le pied, normalement, je vais... Allez, parce qu'il faut sauter au bon moment. Parce que si je saute pas au bon moment, je tombe dans le fossé, je crois. Donc là, hop, voilà, c'est bon, j'ai sauté. Je vais essayer de choper un timer parce qu'en fait... Oula, parce que j'avais oublié qu'il y avait un pied à gauche qui nous rebalançait. Et donc les souris pour les délivrer, il faut... Merde, attendez, je peux pas me faire niquer. Les souris pour les délivrer, il faut tout simplement aller sur les cages. Regardez là si je vais. Hop, gracias. Si vous avez bien écouté, il dit gracias, il dit merci. Et donc là, il va falloir se dépêcher. Et ouais, comme je vous disais, il faut que je récolte des petits timers pour augmenter... C'est quoi ce truc? Oulala, je me suis fait toucher. Je me rappelle même plus ce que c'est comme bestiole. Donc, ouais, il faut que je chope des petits timers en fait pour augmenter mon temps parce que sinon je vais être un peu time up. Et vous savez ce que je vais faire au pire? Je vais pas... Attendez. Ouais, c'est quoi? C'est une espèce de boule de poils. Je vais pas toutes les récolter, les souris. Je vais juste foncer parce que là, je crois qu'il va pas me rester autant de temps que ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me grouiller. Je sais plus du tout où faut aller. Je crois que c'est par là. Voilà, je crois qu'il faut... Ah. Non. Ah, voilà. En fait, il y avait que deux plateformes qui s'abaissaient. Donc là, je vais me dépêcher. Je pense pas que je vais tout récolter. Voilà, je vais essayer de... Ah, attendez, non. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais tomber. Donc là, il faut... Voilà, il y a une espèce de flèche qui est tracée par les fromages. Merde! Pourquoi je suis tombé? Ah, les enfoirés. Les enfoirés. Alors, attendez, là, il faut attendre à nouveau la plateforme. Et je sais pas du tout pourquoi ils m'ont fait tomber, en fait. Parce que normalement, je suis pas censé tomber quand j'arrive en haut. Peut-être si je saute. Je me suis... Ah, mais c'est vraiment... Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Peut-être un bug. Alors que là, on peut choper des cœurs. C'est des réceptacles... Attendez, je vais faire rien. Des réceptacles de cœurs. Et là, j'ai 4 cœurs, donc je peux me faire toucher 4 fois. Et je crois qu'on peut même en avoir plus. Alors c'est pas un jeu extraordinaire, ou non je vais tomber, non c'est bon. C'est pas un jeu extraordinaire du peu que j'ai joué, voilà, attention, ah ouais, on peut pas. En fait c'est un jeu qui se fait beaucoup sur la hauteur, et en fait c'est un jeu qui a été fait par Sunsoft. Et en fait ça je l'ai vu tout de suite, même sans savoir que c'était fait par Sunsoft. Écoutez la musique. Je sais plus comment s'appelle cette musique, mais elle est culte, hein. C'est une musique qu'on revoit dans beaucoup d'animés. Ou de, même dans des publicités à la télé, je crois que ça passe. Donc là, j'ai sauvé 4 souris sur 8. J'ai fait un temps pourri parce que je vous expliquais des trucs. Et j'ai récolté 109 fromages. Enfin, c'est des petits fromages avec un score. Moi, j'en ai rien à foutre du score dans ces cas-là. Le scoring dans ce genre de jeu, perso, qui s'intéresse? Donc là, partie 2. Alors voilà, il faut aller sur eux pour les trouver, les souris. Et il faut en choper 8, encore une fois. Dans certains niveaux, en fait, c'est pas tout le temps 8. Parfois, c'est 6, je crois. Enfin, le numéro, le nombre de souris à sauver par niveau est aléatoire. En fait, mon but dans cette vidéo, ça va être d'atteindre... Bon, là, je suis au deuxième niveau. Et d'atteindre le monde numéro 2. En fait, un monde, c'est un environnement différent. Et les niveaux d'un certain environnement se ressemblent quasiment tous. Enfin, le background est quasiment le même. La musique est la même. Donc là, je vais faire... Ouais, attendez, là, il y a une espèce de petite chauve-souris. Ouais, donc au niveau de la variété, c'est pas encore ça. Enfin, attendez, j'ai pas envie de crever. Alors, je sais plus du tout où faut aller. Un petit réceptacle de cœur. Hop. Ah oui, il y a des trucs de fumée à pas se choper là, sinon on se fait toucher. Et les pics, je crois pas qu'ils nous tuent d'un coup, mais ils nous enlèvent quand même de la vie. Donc là, je crois qu'il faut aller en hauteur. Bon là, c'est un jeu de plateforme assez basique, hein, franchement. Je pense que vous vous en doutez déjà, si vous ne le connaissez pas, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Et je dirais même que c'est logique que vous ne le connaissiez pas, tout simplement, parce que c'est un jeu qui n'est pas très connu, hein, qui n'a pas fait de buzz, qui n'a pas eu une visibilité énorme. Voilà, c'est un jeu de plateforme qui fait pas le figure, hein. Comparé au tenant du titre, hein, les fameux Super Mario World que je vous ai présenté il y a peu, notamment en mon test précédent, ou Donkey Kong Country, même Mickey Mania, Sunsoft, ça n'a jamais été réputé pour être une boîte extraordinaire, qui faisait des jeux extraordinaires. C'était des petits jeux comme ça, généralement à licence. D'ailleurs, il y en a un autre de Sunsoft, d'ailleurs je me suis coupé tout à l'heure, je voulais vous dire ça. Je vais à un autre jeu de Sunsoft qui m'a tout de suite fait penser... à ce jeu-là. Enfin, ce jeu m'a tout de suite fait penser à un autre jeu de Sunsoft que j'ai. Il s'agit de The Road Runner, donc le coureur des routes, hein, mais en fait, en anglais c'est ça, mais le nom, on le connaît sous le nom, Bip Bip et Coyote, hein, vous savez, l'espèce de petit oiseau qui fonce, en fait, qui va super vite et qui veut se faire choper par le coyote à chaque fois, mais le coyote n'arrive jamais à le choper, en lui faisant toutes sortes de pièges pour le tuer. Mais il se fait jamais choper. Donc là, si je dégage, parce que la plateforme s'est abaissée, si je dégage et que je reviens, la plateforme revient, ce qui va me permettre de monter. Donc, ce qui va me permettre justement d'aller où je veux. Là, j'ai chopé un timer, vous voulez. Je sais pas, je me rappelle plus combien le timer remet de secondes. Vous le reverrez à la capture, vous avez qu'à revenir un petit peu en arrière. Et moi, je le reverrai aussi de toute façon juste après. Donc là, faut faire gaffe, parce que mine de rien, la fumée peut vite abaisser notre nombre de... Oula, attention, c'était chaud là. Peut vite abaisser notre... Ah, je me suis fait baiser. Voilà, je me suis fait niquer.
Est-ce qu'il fallait faire attention tout simplement? Il fallait sauter. Je crois que c'était la fin du niveau en plus, hein. Genre, j'avais juste ça à faire. Alors attendez, si je reviens. Ah oui, je crois que le timer. Voilà. En fait, le timer, une fois que tu l'as pris, quand tu te fais toucher, quand tu meurs et que tu reviens, évidemment, ils vont pas te le mettre une deuxième fois. Donc, sauf que le temps que t'as perdu en mourant, bah ils te le redonnent au checkpoint. Merde! Putain, c'est bon, j'ai eu chaud. Donc là, je vais pas me faire avoir deux fois. Attendez, voilà, je vais voir où c'est. Je vais reprendre un peu d'élan. Et je vais y aller tranquille. Oula, attendez. Parce que normalement, faut prendre plus d'élan. Ouais, ça passe quand même, je crois. Voilà, faut faire différents sauts d'affilée. Et là, il n'y a même pas de truc qui t'indique que c'est la fin du niveau. Parce que dans certains jeux, t'as une pancarte. Hein. T'as End, ou The End, ou un truc comme ça, Finish. Enfin, t'as plein de trucs. Genre dans Mario World, t'as des pancartes avec une flèche pour te dire que c'est par là que tu dois aller. Là, t'as rien en fait. Tu dois juste sortir du scrolling, sortir de l'écran. Et tu as fini le level. Donc, à certains endroits du jeu, on croit qu'il faut aller à droite. Mais en fait, il y a des murs invisibles. C'est que à certains endroits. C'est un petit peu aléatoire, mais bon, avec du pif, tu peux sentir que c'est la fin du niveau quand t'as bien avancé. Donc voilà The Roadrunner que j'ai. Peut-être que je vous en ferai un test. Surly Wood, donc les bois. Surly, c'est quoi? C'est en sûreté, c'est ça? Les bois sécurisés, j'en sais rien, en sûreté. Je sais pas du tout ce que c'est. Assuré, peut-être, les bois assurés. Bref, je vous mettrai traduction. De toute façon, vous avez qu'à être bon en anglais, écoutez. Hein. Il y a plein de mots que je ne connais pas, même si je pense avoir un bon vocabulaire quand même de par toutes les années d'anglais que j'ai fait, même si j'aurais aimé en faire direct dès la primaire. Bref, après je vous raconte ma vie, on s'en fout. D'ailleurs, je crois que j'ai fait quelques cours quand même en primaire, mais bon. Donc, il est édité par Acclaim, qui est à la tête de pas mal de licences de l'époque, dont les Simpsons, ça je vous le dis énormément de fois, hein, j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos. Et je vous l'ai pas dit, c'est un jeu qui est sorti sur Super Nintendo en août 95. Donc, août 95. Pour la Super NES, quand même assez tardif, je dirais, dans la mesure où il y a déjà énormément de bons jeux qui sont sortis. Je vous citais tout à l'heure Super Mario World qui était au lancement, voilà, même Super Metroid, Donkey Kong. Il y a énormément de bons jeux qui sont sortis. Et là, il arrive un peu tardivement, et pour la date à laquelle il est sorti, franchement, la qualité, je n'ai pas vraiment au rendez-vous. C'est un petit jeu sympathique. Mais franchement, c'est voilà. Là, ça me fait énormément penser là les pancartes à The Roadrunner, donc Bip Bip et Coyote. Et pareil, il y a des pancartes en fait pour te dire qu'il faut sauter. Voilà, là, voilà, normalement c'est bon. Donc là, tu te fais choper par le piège et t'es game over. Enfin, t'es pas game over, tu perds une vie, tu dois recommencer. Donc c'est assez fourbe. Donc là, je crois qu'il va falloir sauter. Voilà. Ah, voilà. En fait, on pouvait pas sauter. Il fallait s'arrêter. Je crois que le premier saut. Oula, non! Heureusement que je me suis arrêté à temps. Donc là, comment faire? Je crois qu'il faut passer par les arbres. Attendez. Je vais essayer de pas me faire choper. Et si je peux. Non, je peux pas. Attendez. Comment on fait? Comment on fait? Ah, il faut prendre de l'élan. Je vais essayer de prendre de l'élan, écoutez. Non. Ah, oh, je me suis fait baiser. Je dis ça et je me suis fait niquer. Donc là, je vais essayer de prendre de l'élan et de sauter. Parce que normalement, ça passe. Je vais essayer. Hein. Je vais vraiment essayer. Hop! Ouais, voilà. Ah non, non, non. Comme quoi? Ah non! Ah, faut vraiment prendre de l'élan alors. Hein. Attendez. Ah oui, sur Amigo, je continue. J'espère qu'ils vont me mettre au même level. Déconne pas, mec. Ah voilà, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais tout recommencer. Non, 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 non. Pas déconner. Donc là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Il faut que je prenne un max d'élan. Et je crois qu'il faut sauter au dernier moment. C'est ça le truc. Je crois que c'est vraiment au dernier moment que tu dois sauter. Donc là, je vais essayer de faire gaffe. Dès qu'il y a la pancarte, je saute. Donc là. C'est vraiment chaud. Il faut avoir un timing de fou. Hein. Donc là, hop. Et là, je vais ressauter au bon moment. Attention. Hop. Oh putain, ça passe pas. Comment ça se fait? Normalement, ça passe. Attendez. Ah, voilà, c'est le champignon. Putain, il y a un bumper en fait. Il faut sauter ici. Je me disais bien parce que j'étais un peu short hein, quand même là. Ce jeu-là, je me suis rodé dessus il y a. Je crois qu'il y a 2 semaines à peu près. Je l'ai fait et là, je le refais 2 semaines après. Donc là, voilà, petite animation différente. On chope les espèces de. C'est quoi? C'est une tyrolienne, c'est ça qu'on appelle ça? Je crois que c'est ça, une tyrolienne, l'espèce de truc que tu chopes. C'est exactement le truc qu'il y a dans Fort Boyard en fait. Quand les personnages arrivent dans la flotte, ils doivent prendre une tyrolienne et sauter dans l'eau. Vous avez vu les références de malades que je vous sors? Si ça, c'est pas de la culture, je sais pas ce que c'est. Donc là, je chope des timers. Je vais quand même assez doucement parce que je sais plus s'il y a. Voilà. Je sais plus s'il y a des pics ou pas. Parce qu'il faut faire très gaffe. Ah voilà, je me suis pas fait niquer. Normalement, c'est la fin du level. Allez, mets-moi la fin du niveau, s'il te plaît. Que je pète pas un câble. Donc là, je vais prendre de l'élan. Je vais prendre de l'élan. Et je vais sauter. Ah! Putain, oh les enfoirés, oh les enfoirés. Vous avez vu le truc de fourbe, ils m'ont fait 2 sauts d'affilée. Et voilà, grâce, j'en ai sauvé pas mal, hein, je crois. Donc Speedy Gonzalez, ça veut dire c'est pas un personnage que je connais, c'est pas un personnage que je connais super bien. Je le connais parce qu'il apparaissait beaucoup il y a quelques années quand j'étais gosse, notamment dans l'émission Sa Cartoon qui était diffusée tous les dimanches, comme je le disais.
Et voilà, donc le but du jeu c'est de finir les niveaux si possible en sauvant le plus de souris possible. Voilà, donc premier niveau, si on regarde en bas, on voit une souris emprisonnée, comme je vous ai dit. La musique est pas dégueulasse. Et la première fois, j'ai voulu traîner un peu pour tester le jeu, je me suis fait avoir par le timer, alors qu'en fait c'est assez simple, hein. Simplement parce qu'il y a plein de timers à récolter pour choper, pour augmenter les secondes qui nous ajoutent 20 ou 30 secondes, je sais plus. Voilà, donc le niveau 2, comme je vous l'ai dit, il faut le connaître un peu par cœur si on veut aller à fond, il y a des sauts précis à faire. Il faut s'arrêter après le deuxième saut, c'est des trucs que tu dois garder en tête. Ou alors tu vas tout doucement si tu veux, mais c'est vraiment un petit peu là, tu sais, du die and retry. On va s'arrêter là-dessus, écoutez. Voilà, le jeu est rempli de pics et de fossés, voilà, si on veut aller à fond, faut vraiment faire gaffe. Et c'est des trucs qui nous tuent instantanément. Donc là, regardez, je vais essayer d'aller à fond pour voir, on va voir si... Ah, vous avez vu? Réflexe de ouf. Là, j'essaie vraiment voilà, de sauter en temps réel, voilà, je me suis fait niquer. Écoutez, on va s'arrêter là, donc le jeu est finissable en une heure quand on le connaît bien. Et le boss final, c'est un pirate, hein, The Pirate Gâteau qui s'appelle. Et à la fin, on sauve toutes les souris kidnappées, comme vous devez vous en douter, comme on a vu dans le truc. Les boss sont animés de manière très basique. Franchement, c'est vraiment pas top. En plus d'avoir des sprites franchement pas super jolis, assez peu inspirés. On est loin des boss aux sprites assez grands, impressionnants, comme on peut avoir parfois sur Super Nintendo, Tekken 3, même Zelda 3, écoutez, enfin, il y a plein d'autres jeux dans lesquels il y a de meilleurs boss que ça. Je vais essayer de faire gaffe. Attendez, on va essayer de sauter au bon moment. Hop, hop. Alors là, c'est vraiment chaud. Voilà, sinon, voilà, on voit Gromidé dans l'intro, donc on peut se dire qu'on va l'affronter en boss final, mais que dalle, à la fin, il se tire, en fait. En gros, il dit, j'ai pas dit mon dernier mot, il se casse. Donc les points positifs pour moi, bah, le sprite de Speedy Gonzales qui est plutôt sympa, qui est fidèle au personnage. Voilà, il n'y a pas grand chose sinon, écoutez, il n'y a pas beaucoup de points positifs. La vitesse, le gameplay pas dégueulasse, mais qui manque un poil de précision pour moi. La hitbox est pas super précise, parfois notamment les pièges du level 2 qui nous chopent quand même un poil à côté, quand on se met un poil à côté. Voilà, je sais plus quoi dire sur ce jeu, c'est pas un jeu qui est énorme, je vous l'ai dit, c'est voilà, c'est une petite présentation, un petit test. On sent qu'ils ont grandement voulu s'inspirer de Sonic au niveau de la vitesse, des tuyaux entre guillemets, donc là des rondins de bois, des sauts. Et perso, ça m'a aussi fait penser à Bibi, que je vous disais, Loadrunner, que je vous ferai sûrement un jour. Donc le gameplay est basique et peu intéressant, qui intéressera que les plus jeunes, je pense. Et encore, il est souvent frustrant et parfois pas évident. Mais surtout à cause de petits détails comme les pics, les fossés à gogo, le timer bien fourbe ou encore les pièges pas super bien foutus, comme la cage, voilà, qui fait assez chier. C'est un jeu qui est assez frustrant, mine de rien, qui est pas très intéressant. Voilà, c'était une petite vidéo, j'espère que vous avez quand même kiffé. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à un prochain test. Goodbye à tous et... Congratulations, the test is now over.